امانوئل لودو، حقوقدان فرانسوی، از توطئه رژیم آخوندی برای نسبت دادن حمله شیمیایی حلبچه به مجاهدین پرده برداشت. Et puis je vais vous faire une confidence, même si elle va peut-être me coûter. Moi, j'ai été convoqué par l'ambassadeur d'Iran. Et la première chose qu'on m'a dit à l'ambassade d'Iran, c'est comment va Saddam ? Nous sommes, nous, Iraniens, très inquiets sur sa santé. Je veux dire que j'ai entendu la question, je me suis cramponné à ma chaise pour savoir si j'étais pas en train de rêver. Bon. Voilà, on va se mettre d'accord, nous dit l'ambassadeur. Nous, nous allons dire que Saddam n'a pas gazé les Kurdes. Vous, vous direz que les Iraniens n'ont pas gazé les Kurdes, mais nous avons un dossier à vous donner dans lequel nous avons la preuve que ce sont les Moudjahidines du peuple qui les ont gazés. Donc nous allons trouver un responsable commun, ce sera les Moudjahidines du peuple, vous direz que c'est les Moudjahidines du peuple, nous dirons que c'est les Moudjahidines du peuple, et l'honneur sera sauf. Qu'en pensez-vous ?